Bonjour les amis, c'est Oli le Belge. Alors, la grande chose du jour, c'est si jamais vous voulez aller manger, ne demandez jamais à votre femme, quand elle a faim, de choisir un restaurant. Bon, là on vient de faire le moins bon repas de notre vie. Mais il le faut, chaque année, il faut faire au moins un repas comme ça. Mais en attendant, voilà, on est sur cette 1800 Beggar. Vous l'avez connu, vous l'avez vu l'année dernière. Bécane que j'ai beaucoup apprécié. Alors justement, on avait l'avis de la passagère, puisqu'on a quand même fait un bon petit week-end et que ma petite femme est en train de filmer. Donc il faut savoir que cette selle est plus ou moins confortable. Alors comme dirait ma petite femme, qui adore toujours trouver des petites astuces, donc il faut faire le koala sur cette moto. C'est-à-dire que le passager doit vraiment être levé contre le conducteur. C'est intéressant quand c'est justement une petite femme comme la mienne. Bon, ça peut être moins intéressant pour d'autres passagers, mais de toute façon, sur celle-ci, vous avez toujours l'occasion d'avoir ou la version au-dessus avec le gros top case. Là, vous avez vraiment une selle qui est beaucoup plus plate. Celle-ci, c'est l'option 719. Donc, c'est l'option avec la selle qui descend. Donc ça, c'est pas toujours super pratique, mais bon. Allez, on va faire de l'embarquer. On va repartir. On va couper la musique, très important de toujours couper la musique, parce que sinon ça passe pas sur YouTube, donc on y fait attention. Allez hop, toujours le bon petit coup de jarret pour se lever de la bécane. Alors c'est un truc vachement important lorsque vous manœuvrez, n'oubliez pas que voilà, on se retrouve vite avec les bras tendus, c'est pas toujours évident de manœuvrer, donc je dois dire que la marche arrière est souvent une bonne option, parce que c'est vrai que pour manœuvrer, c'est quand même très pratique cette marche arrière. Je vous l'ai montré sur l'autre vidéo. Elle est très facile à utiliser. Juste hier, je pense que la moto est un petit peu trop chaude et elle n'a pas voulu fonctionner. Mais depuis, elle fonctionne vraiment nickel. Allez, on met le contact et on embarque la passagère. Hop là! Et la passagère qui doit évidemment accrocher son airbag, ça va aller à une main, madame. Tu te débrouilles. Voilà, donc toujours, c'est resté hein, le... Voilà, c'est resté sur le... L'obligation sur cette moto-ci, donc d'avoir les deux mains sur le guidon pour la démarrer, parce que le... La moto bouge quand même bien toute seule. Allez, on est parti. Donc vous voyez, on peut compter facilement 400 bornes sur un plein. Parce que c'est vraiment ce qu'on a fait jusqu'à présent. Là, vous voyez qu'on est parti. Je roule en roll. Alors, roll, c'est quoi? Ben, c'est une... c'est, on va dire, la version la moins... enfin c'est la version, le mode moteur où la moto est la plus souple, donc bah, de temps en temps c'est vrai que c'est un peu surprenant lorsqu'on doit mettre des gaz, parce que c'est vrai qu'elle est, elle reprend toujours assez mollement, enfin pas assez mollement, mais vous voyez, bah, ça c'est le parfait exemple des démarrages un peu compliqués, puisque là on part vraiment sur dans un virage assez lent. Et là, c'est là où on sent vraiment le poids de la moto. Pour le reste du temps, franchement, c'est très, très, très à l'aise. Puisque, bon, bah, la moto reprend à bas régime. Mais par exemple, la seule chose, c'est que ici, bah, pour le coup, comme j'avais ma petite passagère et qu'elle n'a pas son petit top case pour la supporter, bah, du coup, j'ai passé tout le week-end à rouler vraiment tout en souplesse. Et du coup, bah, de temps en temps, je commence à avoir un petit peu mal au poignet et à l'épaule, parce qu'on n'a pas envie... Enfin, j'essaye toujours d'utiliser une manière souple de rouler pour que ma femme soit bien à son aise et qu'elle ne soit pas catapultée vers l'arrière. Donc, comme il y a cette selle qui est vraiment en descente, bah, voilà, il faut adopter une conduite extrêmement souple. Bon, ça, c'est pas un gros problème pour moi parce que j'ai l'habitude de le faire. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte que
J'ai un peu mal à l'épaule, à force d'être toujours extrêmement doux avec l'accélérateur, parce que sinon ça ne fonctionne pas. Alors on a toujours le petit témoin là-bas, le petit témoin de puissance que j'adore. Bah là, effectivement, je roule à 25% de la puissance de la moto. Je suis déjà sur le troisième rapport, on peut directement passer en quatrième sans aucun problème. Elle reprend à bas régime, c'est tout à fait dingue. On va être très sage puisqu'il y a un radar dans le coin. Donc vraiment, la moto reprend à bas régime. Elle est super souple et et hier, c'est vrai qu'on a fait un peu d'autoroute pour venir parce que, comme vous le voyez, le ciel est quand même pas dingue. Et donc du coup, on s'est dit on va gagner du temps en prenant l'autoroute et j'ai pu profiter de ce cruise control adaptatif qui fonctionne vraiment extrêmement bien. C'est un vrai plaisir sur autoroute. Ce qui peut de temps en temps être un peu surprenant, c'est lorsque vous rattrapez des véhicules qui sont vraiment beaucoup plus longs que vous, la moto va au départ ralentir, heureusement d'ailleurs, mais dès le moment où vous mettez le clignotant et que vous repassez sur une bande dégagée, la moto réaccélère jusqu'à la vitesse initiale qui était demandée. Donc ça peut être surprenant les premières fois, et c'est vrai que c'est toujours une conduite assez particulière d'être comme ça sur l'autoroute et de laisser la moto faire. C'est vrai qu'on a tendance à freiner, mais franchement ça fonctionne vraiment très très bien. Ça fait partie des options, je veux dire, donc outre la marche arrière que j'ai vraiment beaucoup apprécié pour tous les moments où je me garais, c'est vrai que ce cruise control adaptatif, c'est vraiment très très gai aussi. Et alors un autre truc que je m'étais déjà rendu compte, mais c'est vrai que lorsqu'on est à deux et chargé, puisque vraiment les valises sont chargées au maximum, elles sont pas très très grandes les valises, donc c'est vrai qu'il faut, quand on part pour un week-end, il faut quand même toujours penser à être très sage. Et donc comme je l'ai déjà expliqué aussi, avec ce type de valises, comme sont des valises fixes sur la moto, n'oubliez pas que il faut y mettre des sacs, et le mieux, alors ça, grâce à ma petite épouse qui pense toujours à ce genre de petits détails, on est vraiment parti avec tous différents petits sacs, puisque donc vous ne pouvez pas prendre les valises et pas les retirer de la moto pour aller jusque dans votre chambre d'hôtel. D'ailleurs, une fois de plus, les gars, ça, vous savez, vous avez vu que je l'avais partagé sur la publication, donc on était à Al-sur-Saumois, chez Mitty et Jane. Au charme de la Saumois, on a passé un repas incroyable hier soir. Donc voilà, c'est le petit truc. Ils accueillent les motards avec grand plaisir. On mange vraiment une cuisine mais super super fine. Il y avait une explosion de saveurs. Je vais vous parler de mon menu d'hier soir. On a mangé un petit tataki thon rouge avec une salade asiatique qui était incroyable. Et après ça, un filet de veau aux truffes, c'était vraiment top. Et un petit menu comme ça, avec le petit dessert et le fromage qui va avec, c'est quand même génial. Bon allez les gars, on va continuer à rouler, nous on va continuer à se faire plaisir, on va rentrer. Et donc j'ai failli oublier de vous dire que merci les gars, puisque vous êtes 10 000 abonnés sur la page, et ça c'est super gratifiant pour moi, pour toute l'équipe. On se décarcasse toutes les équipes, parce que souvent j'oublie de parler des équipes précédentes. C'est vrai qu'on a déjà été plusieurs dans le team Oli le Belge, et donc là on continue avec l'équipe actuelle. Et c'est grâce aux abonnés où maintenant on va vraiment pouvoir recommencer à discuter avec certains partenaires pour qu'ils nous aident encore un peu plus. Allez, je vous fais des bisous. On se retrouve bientôt, et en tout cas, merci les amis. Ciao !